Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a un invité spécial, pile dans l'actualité, surtout après le deuxième débat Romney-Obama, Eileen Horowitz-Bastianelli, qui est une Américaine qui a adopté la France, qui est née dans le Bronx. Ça me fait trop plaisir de le dire, parce que je suis bien dans le Bronx. Elle est rock, qui vit en France depuis 25 ans, qui a un parcours très éclectique, qui a commencé à faire ce qu'on appelle aujourd'hui the advertisement, avant que ce soit chic et à la mode. Elle a travaillé pour des agences de pub comme CLM BBDO. Elle a travaillé pour des grandes marques comme Orange, comme Canal+, Pepsi, voilà. Et en fait, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est accompagner les patrons des grandes marques dans leur évolution digitale par ce qu'il sait faire de mieux, ce qui est la création, la production du brand content. Et par ailleurs, et bénévolement, elle est membre de la partie démocrate américaine, plus précisément Democrats Abroad, qui est la branche qui s'adresse aux Américains qui vivent à l'étranger, donc en dehors des États-Unis, qui sont entre 6 et 10 millions, à peu près, une estimation un peu à la louche. Et en fait, elle est là aujourd'hui parce qu'elle a participé à la campagne présidentielle de 2008 et aujourd'hui 2012. En 2008, elle a créé de brand content pour la campagne des Democrats. Elle nous parlera de ça. Et aujourd'hui, elle est patronne des médias sociaux pour Democrats Abroad aussi. Et donc, elle participe activement à la campagne électorale de 2012. Donc, elle nous parle là de la marque Obama, de l'évolution de la marque Obama 2008-2012. Et je lui laisse la parole maintenant. Ce qu'elle souhaite, en fait, on en a parlé, c'est que ce soit plutôt une discussion. Donc, elle a envie que vous lui posiez la question dès le départ, si jamais vous avez envie de le faire. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas un truc très formel et très carré. Merci. Et merci, Barca et Alexandra, cet accueil. Effectivement, moi, j'aime bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime pas que des choses soient trop figées. Et après les branches, j'ai grandi à Los Angeles, je tiens à le dire. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en 2012 en matière de réseaux sociaux, qui n'est qu'une évolution de ce qu'on a fait en 2008. Voilà ce qu'on a fait en 2008. People think they can't. They think it's a very difficult process. People say it's too complicated. It's not. It's not. It's very, very easy. Yeah, it's too complicated to use your computer. Well, it's not. It's not. I heard people say that they didn't have the right to vote. From abroad. A vote is a vote, regardless of where you are. For anyone who says that they don't have the right to vote. You do. You do. I've heard people say, I thought my mother would sort it out for me. I wish my mom would take care of me too. Start now. Right now. If you're a U.S. citizen, you can vote from wherever you are. From anywhere. Luxor, Egypt. In Shanghai. In Dubai. Timbuktu. Rio de Janeiro. Tokyo. In Ouagadougou. Berlin. Johannesburg. Siberia. Buenos Aires. In Canada. I'll be voting, which is not America. I'll be voting from London, but you can vote from anywhere. I'll be voting from Germany. I'll be voting from Paris, France. Me too. Me too. You can be heard on election day. Millions of Americans. Millions. Of U.S. citizens. Just like me. 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 Live abroad. Are overseas all around the world. Gotta do it. It will make all the difference in the world. In 2 minutes flat. Request a ballot. Do it now. Do it today. It's urgent. What happens at home affects us all.
I'm 18. I'm 19. We're both voting for the first time. I feel like I was born a Democrat. My vote will count. Your vote will count. Every single vote will count in this election. You can't let this moment slip away. Just go and vote. Where on earth will you vote? Votefromabroad.org. Absentee ballots for Americans. I'm voting Democrat. Alors, ça, c'est un spot que j'ai fait avec J.C. Jadelson, qui est peut-être parmi de la vieille école de la pub, vous la connaissez. C'est une autre Américaine qui est réalisatrice de pub à Paris depuis longtemps aussi. L'idée étant, en 2008, quand il y avait une pénétration Internet pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui dans les grandes masses, c'était de faire un film qui allait encourager les gens à l'étranger de s'inscrire à la vote, leur faire comprendre que ce n'était pas si difficile que ça. Et Gwyneth Paltrow s'est effectivement prêtée à cette expérience avec nous, une expérience qui était censée à l'origine être multi-célébrité. Et la semaine avant, et ça c'est la vie en politique comme la vie en publicité, on a besoin parfois de changer de fusil d'épaule. Il y a eu un spot qui est sorti proclamant que Obama était très lié toujours avec des célébrités, c'était moyennement perçu. Donc on a gardé Gwyneth afin de pouvoir avoir une certaine notoriété, de faire écrire, The Huffington Post a fait un lancement, etc. Mais on a fait quelque chose qui était vraiment que des gens américains de partout pour qu'il y avait une certaine identification avec ça. Donc... C'est une citation qui était un peu à l'origine de cette réflexion. Je suis désolée que c'est... Je préférais du bon anglais que mon mauvais français écrit. Eric Schmidt, qui est le PDG de Google, je fais une petite traduction pour ceux qui en ont besoin, qu'en 2008, la plupart des gens ne fonctionnaient pas sur Facebook et Twitter. La différence aujourd'hui, d'abord et surtout, c'est l'agrandissement de Facebook qui est beaucoup, beaucoup plus pénétré d'une façon profonde dans les choses. Les autres sont effectivement l'agrandissement de YouTube et Twitter. Les gens intelligents s'en servaient en 2008. Maintenant, tout le monde s'en sert. Vous pouvez imaginer les implications de cela. Vous pouvez carrément faire une campagne politique sur l'ensemble de ces outils. C'était effectivement ce qui a provoqué la réflexion d'aujourd'hui. Jim Messina, qui était... le patron de financement de campagne de 2008 et qui est un homme absolument extraordinaire. Au mois de janvier l'année dernière, quand il était nommé patron de campagne pour 2012, il s'est dit, je vais aller faire le nécessaire. Et il y avait un article en Business Week qui était intitulé « J'ai un candidat à vendre ». Et qu'est-ce qu'il a fait, Jim Messina? Il est allé voir le best dans chaque domaine en utilisant justement ces nouveaux outils et d'autres qu'on avait avant pour aller aussi loin que possible pour le campagne d'Obama. Il est allé voir Mark Benioff pour la puissance du cloud, Anna Wintour, avec qui ils ont dessiné une ligne de vêtements Obama, qui sont assez branchés au lieu d'être une chose qu'on va voir juste vendue dans la rue, mais dans les magasins, chers, et qu'ils étaient une source de financement pour la campagne. Harper Reed, qui est le grand technicien informatique et digital à la Maison Blanche. C'est un jeune homme, je crois qu'il a 26 ans. Il est toujours en short, baggy, avec son skate à la main. Mais c'est lui qui a construit tout le système de data mining, etc., pour le système digital d'Obama. Bon, Eric Schmidt, effectivement, sur tout ce qui est... une grande entreprise, mais aussi sur les analytiques, Spielberg sur le storytelling, et Steve Jobs, qui l'a aidé sur la partie mobile, et c'était à quelques semaines près avant son décès. Donc, Democrats Abroad, qui on est? Il y a 160 pays dehors des États-Unis qui ont des Américains et qui sont présents dans 160 pays. Aux États-Unis, on a des partis, les démocrates par État. Chaque État a, pardonnez-moi, une petite leçon du système de vote américain, mais le vote électoral, est-ce que vous comprenez comment ça marche ou pas? Oui, non? Chaque État représente un certain nombre de votes, en fait. Donc,
le gagnant en vote populaire prend le tout de ces votes-là. Et c'est là où on a eu pas mal de problèmes dans le passé, dans le comptage de votes, parce que c'est tout ou rien dans un État donné. Donc nous avons effectivement nous-mêmes des votes électoraux. On a des délégués qui partent à la campagne, à la convention pour les nominations, etc. Et donc, après 2008, moi, j'ai eu l'idée que... Et ça, je vais vous parler de notre brief pour solliciter des gens à voter. Mais il y a un vrai problème. Il y a une infime partie des Américains à l'étranger qui votent. Donc, on est plus que 6 millions. Il y a des chiffres qui disent jusqu'au 10. Pas mal, que vous connaissez certainement aussi, qui sont de passage, officiels, officieuses, etc. Donc, c'est un chiffre qui est très difficile à mettre exactement. Mais on s'est dit, on a aujourd'hui des moyens techniques, analytiques et sociaux pour éteindre ces gens-là. On pouvait créer une communauté pour cette élection, mais tout ce que je voulais faire, parce qu'on a commencé très tardivement, c'était quelque chose qui était de recréer une fondation d'une communauté, de faire partie de ça, qu'on peut utiliser pour la suite. Et j'avais besoin de choisir une agence pour m'accompagner là-dedans. J'ai décidé d'aller avec une société canadienne à l'origine, mais américaine et maintenant en France aussi. C'est Fabien Bonnet, une ancienne d'Avas qui s'en occupe en France. Parce que c'est des gens d'analytique. C'est des gens qui font du numbers crunching du matin au soir. Parce que j'avais un brief qui était vraiment hors pair. Je reviendrai dessus après. Donc, le brief... imaginez, moi on parlait tout à l'heure de Pepsi, quand je faisais des choses pour Pepsi Max, j'avais besoin d'atteindre des garçons urbains de 15 à 24 ans. C'est pas très compliqué ça. Là, n'importe qui a plus que 18 ans, n'importe où dans le monde et qui est de nationalité américaine. Aucune homogénéité socio-économique, géographique, centre d'intérêt, rien. Donc, compliqué. Effectivement, on avait... parce qu'il n'y avait pas de structure là-dedans avant. On avait 72 pages Facebook. À titre d'exemple, Democrats Abroad sur Twitter, c'est Dems Abroad, parce que Democrats Abroad, c'était les Democrats Abroad au Canada, qu'ils avaient été les premières d'adopter Twitter. Donc, comment je pourrais, tout en gardant l'œil sur le but central, ce qui était d'inscrire un maximum de gens à la vote, comment on pourrait avancer? Donc, avec Salentel, on a mis en place toute une stratégie qu'on a fait en partie. La fédération des 72 pages Facebook va être pour après novembre, parce qu'on a fait des choix. Donc, on a fait une animation, effectivement, de social media. On a, oui, on a fait du Google AdWords et tout ça, mais principalement, on a resté vraiment sur des réseaux, parce que ça nous permettait de chercher des gens et de les éteindre avec beaucoup plus de précision. Donc, on a produit un petit peu de contenu. Le but étant, et je vais vous montrer quelques petits films au fur et à mesure de cette présentation, mais le but étant vraiment, c'est super simple à voter. Ça prend pas longtemps, c'est pas compliqué, et on voulait juste que les gens comprennent. Donc, on a créé cette target profile, et ça, c'est le premier film. Think your vote doesn't count? It counts more than ever. Go online, go on the website, sign up, it takes less than 2 minutes. My grandmother can do it. Your vote matters. I know that you know that I know your vote matters. I'm definitely voting from abroad. You know? Your vote actually matters. Vote from abroad est un outil d'inscription à la vote que nous avons développé, mais nous inscrivons n'importe qui. Peu importe, c'est absolument pas partisan. Et ce qui est pourquoi, justement, Skyler ne parle pas du tout d'Obama, mais de l'importance à voter. Parce que quand on regarde les Américains à l'étranger, je me suis dit, on avait besoin d'un peu de chart, juste pour faire marrant. Mais ça, c'était le target profile que Salentel avait fait au début. On a étudié, et il y en a pour 50 pages, donc je vais vous épargner de ça, mais l'attachement des Américains quand ils partent à l'étranger. La plupart d'Américains, ce n'est pas moi. Ce n'est pas des gens qui travaillent dans des métiers de la com et qui ont une vie qui est un petit peu internationale. Il y a des gens qui viennent,
qui devient, je ne sais pas, ils ouvrent une boutique de vêtements à côté de Lyon, ils n'ont pas nécessairement le même attachement à leur pays. Il y en a pas mal qui pensent aussi que ce n'est pas leur problème et qui perdent de vue, et surtout dans une élection comme celui-ci où on a une diversité colossale, ils perdent de vue l'effet que ça peut avoir sur leur famille, leurs frères, leurs amis. Et éventuellement, je sais pour moi, moi j'ai deux filles ados, Obama est en train de créer un monde dans lequel j'ai envie que mes filles grandissent. Et Romney, non, de base. Donc, on avait besoin de gérer effectivement l'attachement aux États-Unis quand des gens s'en vont, mais surtout le fait qu'ils deviennent très attachés à leur pays d'adoption. Donc, comment leur faire comprendre que tu peux, comme moi, adorer la France. J'ai passé plus que la moitié de ma vie ici. En revanche, ça n'empêche pas que je suis et je serai toujours américaine. Donc, on avait sur la page Facebook qui existait avant, il y avait eu zéro target. C'était juste des gens qui likaient, etc. On sait, on est tous confrontés aujourd'hui dans la pub pour les marques du même problème. Finalement, combien de gens de like une page ne change pas grand-chose. Donc la question, c'était, ils pourraient liker la page, mais on avait sur la page de Democrats Abroad principalement des Américains quand on a pris la partie. Donc c'est génial, sauf que ça n'allait pas changer le nombre d'Américains à l'étranger qui votaient. Combien on pouvait changer le talking about, créer un engagement et amener justement une plus jeune public dedans, parce que les deux groupes principaux de votants à l'étranger sont soit des gens qui sont ce qu'on appelle embedded, qui sont depuis longtemps à l'étranger, ou des étudiants. Les étudiants se disent, je rate une élection, c'est pas très grave. Donc, on a mis en place une méthodologie qui était effectivement avec une community management, avec des gens dans le monde entier, pour qu'on pouvait répondre 24/7. Parce qu'effectivement, on ne veut pas laisser avec des gens sur plein de zones horaires différentes sans réponse. On a fait une stratégie publicitaire, effectivement 60% sur Facebook, 30% sur Twitter et 10% sur Google et des Google AdWords. Et puis, à côté de ça, on a développé une app sur le data qui était là, qui existait. Donc ça, c'était au début sur la page. On avait cette app qu'on a lancée, que je vais vous montrer plus en détail. Et donc une stratégie Facebook avec un message qui était beaucoup plus émotionnel. Obama est quelqu'un qui incite de l'émotionnel des gens. On a tendance à lui parler comme si c'était un ami. Et c'est d'abord pas le cas de Romney, c'est pas le cas de beaucoup d'hommes politiques dans le passé. Donc, on a une page Facebook qui a à la fois d'informations utiles, factuelles, etc., pas mal de choses du Parti démocrate et de pages de Barack Obama directement, mais on a aussi un certain nombre d'initiatives. Je vais vous montrer une flopée de photos après, mais j'ai demandé aux gens, il y a un mois, en envoyant leur bulletin de vote, de m'envoyer une photo et de m'expliquer leur nom, d'où ils votaient et dans quel état. Parce que moi, je vote, par exemple, dans l'état de Californie, parce que c'était ma dernière résidence. Donc, on a plusieurs milliers, en fait, de photos qui nous est arrivées des gens de partout dans le monde. Et c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer à la fin. Mais donc sur Facebook, il y a des échanges, nos community managers parlent de façon assez familière. Quand on répond aux messages en inbox, on signe même nos noms. Donc on a créé une sorte de système d'ambassadeurs avec des gens sur Facebook. Donc l'appli, c'est quoi? Tu cliques sur l'appli, tu vas remplir un certain nombre d'informations dessus et tu as deux choix. Tu peux t'inscrire à la vote. Et en s'inscrivant à la vote, en fait, c'est de demander ton bulletin. Il n'y a pas une expression en français pour ça, parce que ce n'est pas un vote par procuration. Tu votes toi-même, mais depuis l'étranger. Donc, tu peux faire ta demande pour ton ballot, ou tu peux propager le message à tes amis. Donc,
là, si tu dis que tu veux t'inscrire à la vote, ça t'amène directement sur votefromabroad.org et tu peux, en 5 minutes, demander effectivement ton bulletin. Si par contre, dans mon cas, j'ai demandé mon bulletin il y a un certain temps et je veux dire à mes amis, ça sépare tout de suite, et je n'ai pas fait un screenshot de ça parce qu'il y avait les noms des gens, et c'est, voilà. Mais ça sépare tout de suite dans tes amis qui sont dans les états critiques pour l'élection, ce qu'on appelle des battleground states, des amis américains qui vivent à l'étranger, et ça c'est même sans faire de data mining extrême. Ma page Facebook, c'est indiqué, j'ai grandi à Los Angeles, je vis à Paris. Donc on a une chance, à part les jeunes aujourd'hui qui disent tout ce qui vit à Miami et tout ça, les Français, donc ça nous a occasionné un petit peu de problème. On a commencé à créer justement une sorte de compétition, parce qu'il y avait qui, de quel état, etc., avait donc une mini-forme de gamification, que si on avait eu plus de temps, on aurait fait davantage sur le dispositif. Donc... là, c'est une des films qu'on a fait cette fois-ci. Pourquoi ça? Am I an issue? Yes. Yes. Am I an issue? Oh, is it my turn now? Well, you can't read through the thing. That's not fair. I can't know. Am I a right that we are in danger of losing? Kind of. Do I have to do with a minority group? Do I have to do with marriage equality? Issues can be written in different ways. I guess my issue, but it's not exactly what's written on my head. Is this one of his many accomplishments? Oh my goodness, yes. You sound like an ad. Yeah. Woo! Everyone needs to do it. And it's easy and you can do it online. Am I giving it away? Vote! You have to vote. Ah, it's too easy. You can do it on your mobile phone. It's that simple. Donc, effectivement, la direction de contenu qu'on a pris, que ce soit des petits clips en noir et blanc tout simple, ou des choses qui sont beaucoup plus des gens qui se parlent, et nous faisons partie de cela, ça fait partie justement de l'évolution des gens et leur consommation sur le web, et c'est pareil dans la politique. Donc, des gens veulent moins qu'on leur parle, ils veulent plus parler avec nous. Donc, on a pris ce genre de direction là-dessus. Donc, Twitter. Nous avons, à partir de Dems Abroad, D-E-M-S, Abroad, voilà, pris la page Twitter qu'on a commencé à animer, là, pour le coup, très mono-message. Did you vote? Il faut voter. Ça vaut la peine, etc., etc. Donc... On a fait une augmentation qui était à peu près en flash comme ça, des mentions et des retweets. C'est assez intéressant. J'ai vu une étude l'autre jour de différence entre les démocrates et les républicains sur Twitter. Nous avons une présence nettement supérieure des républicains. L'engagement des républicains a tendance d'être un petit peu au-delà du nôtre, parce qu'ils ont tendance à faire beaucoup plus de comment on dit ça, de negative campaigning, de choses négatives, et de ce qu'on dirait en anglais, de mudslinging, de dire des choses vraiment mauvaises des autres. Nous, on est beaucoup plus dans un message forward de positivisme et d'activisme pour Obama. Donc, aujourd'hui, on a une campagne qui fonctionne assez bien, et avec pas mal de gens avec nous, et ça ne fait que continuer encore une fois. Après le 6 novembre, on va consolider l'ensemble des pages Twitter, des pages Facebook, etc., pour pouvoir, pour 2014, pour les midterm elections, pouvoir avancer là-dessus. Donc ça, c'est une dernière petite spot qu'on a fait sur la vote. So, do you want to know why your vote counts? Think about how much progress we've made in the last 4 years alone. We've made progress in civil rights. We've made progress on the economy. We've made progress in jobs and job creation and growth. And if you don't vote this time, then you're voting for the other guy. You have to register and you have to request your absentee ballot because your vote really does matter. Yeah. I know.
Bob qui était dans ce film, c'est un prof de philo à Sciences Po. Il était notre délégué depuis la France. On avait plusieurs délégués, mais il était un de nos délégués à la convention à Charlotte. Il fallait parfois le... parce qu'il est très, très passionné par la cause, mais encore une fois, on voulait varier entre jeunes, branchouilles, il faut voter, c'est facile, etc., et un petit peu de fax. Une des choses qui est très difficile pour moi à expliquer aux gens, c'est que nous sommes une partie de la partie démocrate officielle, mais nous ne sommes pas la campagne en elle-même. Donc, la campagne directement de Barack Obama, qui sont les gens qui sont là pour la période déterminée, etc., dès l'instant qu'on citait effectivement des campaign issues, etc., ça avait besoin de passer par la Maison-Blanche pour être sûr qu'ils étaient d'accord avec notre message. J'avoue qu'il y a pas mal de films que vous avez dû voir, le film avec Samuel L. Jackson, je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Bon, il y a beaucoup de millions de gens qui l'ont vu. C'était produit par un copain à moi à Los Angeles qui a fait aussi des films avec Sarah Silverman aux dernières élections. C'est un des problèmes aujourd'hui avec tout ce qui est social media lié aux campagnes. Les films crus, durs, que tu sais vont vraiment être virales, il faut laisser les autres les faire. Parce que ça ne peut pas effectivement avoir une intitulé officielle de campagne derrière. Mais c'est intéressant, en 2012, il y a eu un poignet, mais très dur, parce que le film de Samuel L. Jackson, c'est Wake the Fuck Up, et pendant 5 minutes, il répète au moins 20 fois, réveillez-vous, mais de façon un peu crue. Et c'est une conte de fées d'une petite fille qui se balade dans la maison, maman et papa sont trop occupés, et trop fatigués, son frère est trop occupé à draguer une fille sur le net, la sœur autre chose. Et elle est en train de dire « Notre monde va changer, au secours, au secours, au secours. » Et donc, l'intitulé du film. Mais la viralité des campagnes aujourd'hui a totalement changé. Et nous sommes effectivement dans une ère où les gens participent, les gens deviennent eux-mêmes des militants. Ça, c'est notre chair worldwide de Democrats Abroad. Donc, la plupart de ces photos sont des photos que des gens... Ce n'est pas énorme. Lui, il a eu un bouton, hein. Je lui ai envoyé un bouton pour cette photo. Mais des gens nous ont envoyé ces photos du monde entier. C'était extraordinaire. Ça, elle était en Thaïlande. Lui, il était à Lima, au Pérou. Mais des gens qui me racontaient leur vie associée avec des photos. Mais vraiment, j'habite dans tel pays. Je veux une Amérique comme ci et comme ça. Des gens, ils sont... mais je crois que les réseaux permettent ça aux gens. Ils permettent aux gens de se sentir... moins loin, et ils font partie, et ça c'est très, la campagne d'Obama a toujours été un peu comme ça, c'est très lié à l'émotionnalité des gens. Donc aujourd'hui, on a effectivement des gens dans le monde entier qui font partie. Il y a eu un pub il y a 2 jours qui est sorti, qui disait que 175 millions de personnes avaient contribué à la campagne d'Obama. Et ils l'ont dit de façon très jolie, vous êtes tous un peu propriétaires de cet succès qu'on cherche à avoir. Donc, allons-y et continuons. Donc, c'est là où on en est. On a 19 jours. Ça va être serré, mais on est confiante qu'on l'emportera. Voilà. Merci. Moi, mon analyse, effectivement, rejoindre les... et encore une fois, c'est des généralités, hein, mais mon analyse rejoindre le tempérament des deux partis. Et donc, chez les démocrates, que ce soit la campagne, les démocrates, chaque pays, des state parties aux États-Unis ou nous à l'étranger, c'est une sorte de way of life. Je sais que ça a l'air totalement cliché, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, pour la première fois, on n'est pas du tout, comme moi j'étais gamine, les deux parties, il y avait des petites différences. Aujourd'hui, on est dans du diasporama colossal. Donc je pense que la différence, effectivement, c'est pour encourager des gens et de faire partie de ça. Et c'est vraiment un côté de lutte
pour sauver l'Amérique dans l'esprit de démocrate. Donc, ça, cette femme est au Mexico, c'est ça que je souhaite. En ce qui concerne la question de célébrité, c'est effectivement toujours compliqué dans une campagne politique. Mais nous, on a fait, par exemple, il y a quelques semaines à Paris, un dîner de charité. Scarlett Johansson est venue, il y avait pas mal de célébrités. Ça, c'était pour la campagne directement, comme on en a fait. Gwyneth Paltrow a fait ce film, est devenue très impliquée aussi. On ne dit pas impliquée en français, très, si, c'est pas, je pensais que ça voulait dire le contraire. Donc, elle a fait des dîners chez elle, de levée de fonds aussi. Sarah Jessica Parker, ils ont fait, la campagne d'Obama, c'est assez joli. Ils ont fait pas mal dans leur demande de levée de fonds. Chaque fois, il y avait un grand événement, une, deux, trois personnes étaient invitées. Parmi les gens qu'ils avaient même donné $5, hein, il y avait un dîner avec les Obama chez Sarah Jessica Parker aux États-Unis. Donc, oui, il était quand même un peu à fond, sous mesure. Mais donc, c'est vraiment une question d'utiliser au bénéfice. À la convention républicaine, on a vu leur utilisation de célébrités, Clint Eastwood avec sa chaise. On a vu combien ça a bien fonctionné pour eux ou pour nous plutôt. Mais nous, effectivement, à la convention démocrate, il y avait des actrices qui sont parlées, mais ce qui était extra, elles n'ont pas parlé comme actrices. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, mais Kerry Washington en a parlé, Scarlett Johansson a parlé. Il y a un film qui est sorti il y a 2 jours que je vous encourage de voir, c'est Rosie Perez qui parle des Latinos. C'est une fille qui était dans pas mal de films de Spike Lee. Mais elle parle de latino-américaines. Oh, Romney, on n'est pas importante, on est, etc., etc. Donc il y a une sorte de, les célébrités ne sont pas là comme star glamour inatteignable, ils sont là comme une partie des masses, mais qui est en corrélation avec le reste, je pense, d'attitude avec la campagne aujourd'hui. Ça répond? Oui? OK. Bonjour, je suis Esther Marek, conceptrice rédactrice freelance. En fait, c'était juste pour savoir comment vous alliez faire pour fusionner en fait toutes les pages Facebook. Comment vous sélectionnez les gens qui vont garder leur page et comment vous allez faire? On ne va pas les supprimer. Ce n'est pas du tout ça. Non, on va le faire par magie, une appli magique. Mais effectivement, comme une compagnie aérienne te permet d'avoir de grandes informations générales, etc., et ensuite, si tu es en France, tu peux avoir des promos qui sont liés à la France, etc., on fera ça. Parce qu'il est très important pour nous qu'en France, par exemple, on a Democrats Abroad France, on a Democrats Abroad Toulouse, Côte d'Azur, Normandie, Rhône-Alpes. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est très important pour la personne qui est chair de chapitre à Toulouse, quand elle va faire un événement, de ne pas être coupée de ça. C'est comme la délocalisation ou la localisation, quand on remonte tout à Paris. Donc, on laissera effectivement les pages, mais ils seront tous sur un seul aile qui nous permettrait au niveau data, message, etc., d'avoir une meilleure maîtrise. J'ai pas très bien compris en fait. Ce sera sur une même quoi, vous avez dit? Il y aura une page centrale avec la possibilité ensuite d'aller sur les sous-pages. D'accord. Voilà. Bonjour. Moi j'ai une question très simple. Vous correspond pas. Peut-être pas, c'est pas vous qui travaillez dessus, mais c'est quoi l'idée de la campagne d'Obama 2012, là où en 2008 c'était Yes You Can? Forward. Avançons. Allons plus loin. Qui est une chose absolument extra quand il s'agit des choses qu'ils veulent mettre en place les républicains aujourd'hui. Ça nous permet de dire en arrière, d'enlever les droits déjà acquis, de renvoyer des femmes au Moyen-Âge, comme on dit entre nous. Vraiment, l'idée, c'est que Obama veut continuer d'aller dans le sens de l'avancement
d'innovation, d'éducation, de technologie, de l'être, et que chaque personne puisse être le mieux. Bonjour, je suis Xavier, je suis étudiant. J'ai juste une question plus générale sur la campagne. Je me demandais si le message qui est diffusé de campagne auprès des Américains aux États-Unis est différent de celui qui est diffusé aux Américains qui résident à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, un message est un message est un message. Que le monde, il est lié, qu'on a tous accès aux infos, à l'Internet, etc. Donc, le message est assez unifié. La seule différence dans notre message à l'étranger, c'est qu'on pousse beaucoup, ils poussent beaucoup sur la vote aux États-Unis aussi, mais on pousse davantage tout en restant sur les mêmes argumentaires de campagne. Merci. Bonjour, Chloé Fekino de Roxane Company. À un moment, vous avez parlé en fait, d'avoir eu recours à des gens qui faisaient du data crunching, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir en fait en quoi ça vous avait aidé, parce que c'est vrai que maintenant on entend de plus en plus parler de l'analyse de data en politique. On sait qu'Obama avait une énorme base de données, et c'est ça aussi qui a fait son succès, et que cette année, pour l'élection, l'UMP ou le PS a essayé de reproduire. Et donc du coup, voilà, je voulais savoir en quoi ça vous avait aidé toutes ces données, comment vous les aviez utilisées. Merci. Pour aller trouver toutes ces gens partout dans le monde, Mon grand argumentaire avec tout le monde, c'était qu'il y a des Américains cachés dans les quatre coins de la planète. Et sans le data, je ne peux pas les trouver. Donc, c'est en utilisant effectivement des analytiques et en construisant, pas du tout dans le sens négatif de data mining, mais dans le sens positif, parce qu'on a des chiffres qui nous montrent que dès l'instant qu'on trouve des gens et ils se rendent compte combien c'est facile à voter, j'ai de nombreux témoignages depuis le début de cette campagne, qui sont prêts à voter. C'est juste qu'ils ne votaient pas parce qu'ils croyaient trop compliqué. Donc ça nous permet effectivement, au travers de cette utilisation de data, d'aller trouver les gens. Alors. Bonjour, VDA, Créatif Pub. Là, j'ai suivi un peu tout le schéma entre Twitter, Facebook et tout ça. Et en fait, je vois beaucoup, on joue vachement sur l'appartenance d'être américain, de voter. On est américain, donc on se regroupe. Et je pense que c'est déjà beaucoup plus facile en fait en tant qu'américain, parce que souvent l'américain est très fier de son drapeau déjà à la base, donc c'est plus simple de rapprocher en fait la communauté américaine de par le monde. Mais en fait dans tout le process, la Facebook, Twitter, je comprends pas trop où intervient le pourquoi voter, parce qu'en fait on est très voter, regardez, j'ai mon enveloppe, il faut voter parce que c'est important de voter, on est tous d'accord. Mais maintenant, en fait, c'est ça, c'est que si Twitter dit vote, sans dire pourquoi, et à côté... Pardon. Il dit un peu pourquoi. D'accord, parce que j'ai vu que du coup, c'était Facebook qui prenait ce message, et je ne trouve pas Facebook crédible sérieusement, en fait, quand on a un message sérieux à faire passer. C'est pour ça que je me demandais, en fait, quoi c'est le pourquoi. Bon, à l'origine, moi, quand j'ai entrepris cette campagne, pour des raisons de facilité, Facebook et Twitter étaient connectés, en fait. Je les ai déconnectés tout de suite parce qu'effectivement, on ne cherche pas la même façon d'exprimer. Je trouve rien de plus moche que de voir sur un Twitter feed fb.me, blablabla. Effectivement, le message, quand j'ai séparé, quand j'ai dit c'est un peu différent, dans nos tweets, ça lie souvent à un article de presse, souvent à une image qui va aborder quelque chose de très important. Binders of Women. Vous avez tous suivi ça cette semaine dans le débat entre Obama et Romney quand il parlait des classeurs de femmes. Genre, c'est cool, il n'y a pas de problème d'inégalité, il y a des classeurs de femmes. Sur Facebook, il y avait plusieurs centaines de milliers de femmes qui appartenaient à Women in Binders avant la fin de la nuit, après la campagne. Donc, nous, les messages vont être liés à ça. Est-ce que toi, tu te sens comme une des femmes dans un classeur, etc. On va faire à la fois sur Facebook, où on va utiliser, pour répondre à votre question de crédibilité, je laisse les gens parler sur Facebook.
souvent, on lance un message. Quelqu'un qui dit « Je vis à Londres depuis 25 ans, je ne pense pas que c'est important que je vote. » Enfin, en même temps, je ne peux même pas voter ici parce que je ne suis pas anglais. Je me tais et je laisse les gens dire, mais tu te rends compte, est-ce que ta mère n'est pas aux États-Unis? Tu n'as pas une petite sœur, tu te rends compte qu'ils vont illégaliser l'avortement, tu te rends compte ceci, cela. Donc les gens mènent la discussion. Notre monitoring s'arrête sur la vulgarité ou tout ce qui est hate speech, où beaucoup, beaucoup de Thaïlandais et Philippines qui DJ, qui font leur promotion sur Facebook, mais autrement, on laisse faire tant que c'est propre. Sur Twitter, ça va être beaucoup plus vote parce que telle chose est en jeu. Mais il y a toujours un message. Ce n'est pas juste voter, voter parce qu'on était obligé de tester aussi. C'est des nouveaux métiers, comme on sait tous. Parfois, on fait des dispositifs qui marchent mieux que d'autres. Donc, il y a toujours un message lié, mais dans le message, il va être plus bref et plus direct parce que les gens sur Twitter, ils sont sur un téléphone, etc. Voilà. Bonjour Tiffaine. Voilà. Bonjour Tiffaine. J'ai une question. En France, le fait est que les Français, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, ont beaucoup voté contre un des candidats plutôt que pour un autre. Est-ce que vous pensez que la deuxième élection, là, les gens vont voter pour Obama? Enfin, je me doute que vous espérez qu'ils votent pour Obama, mais est-ce que c'est vraiment un vote pour Obama ou contre? Il y a 6 mois, je pense qu'il y avait un phénomène dans les deux cas, d'ailleurs. Contre l'autre candidat, ça n'encombre que moi. Moi, je pense que des gens qui mettaient des questions sur l'économie ou d'autres choses, qui mettaient en cause Obama là-dessus, beaucoup sont revenus. Donc aujourd'hui, on a des gens qui votent pour aller en avant, justement, et il y a beaucoup moins ce phénomène. En revanche, dans l'autre sens, il y en a pas mal à cause de l'extrémité des choses qui sont en jeu. Voilà. Une petite question. Je voudrais savoir si vous avez agrandi, parce que vous êtes parti il y a en 2008 de Facebook et Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez agrandi sur d'autres réseaux sociaux? Vous travaillez sur d'autres réseaux sociaux que ces deux-là? Oui, mais... Moi, j'ai mis beaucoup de temps en interne à faire comprendre l'importance de ça. Et quand je dis en interne, dans les Democrats Abroad. Hein. Et donc, on avait besoin de choisir où est-ce qu'on allait mettre vraiment, vraiment notre énergie. Donc, oui, on a un Tumblr, on a d'autres choses, mais la plupart de ces dispositifs, faute de temps, étaient vraiment sur Twitter et sur Facebook. Mais ça ira plus loin dès le démarrage pour les midterm elections, justement. On est 2 ou 3 qui rentrent dans du fond d'argumentaire. Et on a notre équipe de 6 personnes au travers le monde qui tweet et qui gère sur Facebook, plus l'agence, qui est le côté, justement, appli, etc. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Éline. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on peut prendre un café si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Et merci, Barca, Alexandra.